Good morgen, allez, Iden, les sur aujourd'hui, le Lunishmat, Richard Roll, Ben Fortune Mazal, Claude Israël, Ben Fortune Mazal, Zamirem Bat, Elisa Sayak. Si vous souhaitez vous aussi désirer une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5 minutes éternelle. Nous étions à Sertsuka Perigimel, Mishnah Hei, Etrog Agazul Vehayavesh, Pasoul, Shal Asherav Shal Iranidachat, Pasoul, Shal Orla, Pasoul, Shal Trumat Mea, Pasoul, Shal Trumat Eora, Loitol Vimnatal Kacher, Shel Dmaï, Bet Shamay Poslin ou Bet Hillel Machshirin, Shel Maaser, Sheni Birushalayim, Loitol, Vim Natal, Kasher. On commence dans notre Mishnah à découvrir la lachot du Etrog. Comme on a dit, Mishnah Aleph Bet Gimel, on a parlé Aleph du Lulav, des choses qui invalident le Lulav, Bet le Hadas, Gimel la Arava, Dalet, on a fait une petite précision générale. Essentiellement à ces trois mitzvot, à savoir combien d'espèces mettre, combien d'unités mettre à chacun, un lulav, deux arava, trois hadas, et du coup maintenant, Mishnah Hei, c'est Gimel Dalet, enfin ouais, d'accord, et Gimel Hei, et on découvre maintenant, on va commencer la lachot du Etrog, qui vont être beaucoup plus longues. Etrog Agazul Vehayavesh, un Etrog qui est volé, donc qu'on n'est pas propriétaire parce qu'on l'a volé à quelqu'un, ou Ayavesh, même celui qui est sec. Ça veut dire qu'il a perdu toute sa, toute son humidité, il est devenu, il s'est complètement desséché. Alors, la Mishnah me dit qu'il est pas saoul, il est invalidé. Gazoul, volé, parce qu'il y a un problème de lachem, il y a marqué dans la Torah insiste, on va en parler beaucoup dans cette Mishnah d'ailleurs, Olkartem lachem, bayom ha-mishan, vous prendrez pour vous. Une insistance que ça doit être à toi en fait, à toi et pas à quelqu'un d'autre. Même si tu l'empruntes de quelqu'un pour faire la mitzvah, tu dois nécessairement l'acquérir, il doit te le donner, et il ne peut pas juste te le prêter, il doit te le donner, à condition de te le rendre peut-être. On ne va pas entrer dans tous ces détails, mais en tout cas, ça doit être à toi, une insistance. Sans compter qu'à part ça, quand c'est volé, il y a un problème de mitzvah, avera, le fait de faire une mitzvah, que par le fait qu'on a transgressé une avera, c'est invalidé aussi. Et donc la Michelle me dit que c'est pas saoul, donc c'est... Deux cas de Etrog Pasoul. De même, Shel Ashera ve Shel Ir Anidachat Pasoul. Alors, l'Ashera, on a déjà dit, c'est l'arbre de Avodazara. Il s'est prosterné à l'arbre, au Etrog en l'occurrence. Ou bien, Shel Ir Anidachat, la cité maudite, comme on avait expliqué, lorsque la ville, les habitants de la ville ont été influencés par quelqu'un à faire l'Avodazara. Ils ont transgressé l'Avodazara, la majorité de la ville. Donc, on va tuer ceux qui ont transgressé. Et l'argent de tout le monde va être brûlé. Il faudra le rapporter sur la place publique. Tout brûlé, tous les biens de tout le monde, même de ceux qui ont profité. Et du coup, puisque c'est des objets qui sont prédestinés à être brûlés, alors ils n'ont plus de valeur et ça ne, tu ne peux plus faire ta mise à de loulave avec, ça ne t'appartient plus, puisqu'il n'y a pas de propriété sur quelque chose qui est interdit d'en tirer profit, en fait. C'est un principe. Ensuite, Shel Orla Pasoul. Si c'est un étrog de Orla, donc un arbre dans les trois premières années depuis le moment où on l'a planté, qui est interdit à être consommé, à être en tiré profit, même à le vendre, ça c'est un étrog de Orla. Donc la Mishnah me dit qu'il est pas saoul, de nouveau. Il a quelque chose qui est interdit à en tirer profit. Donc ça, on n'a pas une propriété conséquente. Et la Torah a insisté que le terme la chème, vous prendrez pour vous un fruit. Et donc, si t'as pas de propriété, c'est pas toi, ça marche pas. Shel Trumat Mea Pasoul, idem, aussi même principe. Si tu as un étrog de Trouma, si t'as un Kohen, on va dire. Un Kohen qui a un étrog de Trouma, seulement c'est le Trouma qui est devenu impur. En l'occurrence, t'as plus rien à faire avec elle. Tu peux que la brûler. Donc, de nouveau, c'est invalidé. Ensuite, Shel Trouma Tehora Loitol, Vim Natal Kacher. Là, je t'ai parlé juste avant de la Trouma qui était impure. Et qu'est-ce qui se passe avec la trauma qui est pure? La Mishnah me dit, a priori, loitol, tu ne prendras pas. Mais Natal Kacher, mais malgré tout, si tu l'as pris, ça, tu t'en acquittes. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, c'est quelque chose qui est donné pour que tu en tires profit, si ça t'appartient. Soit parce que tu es un Kohen, soit parce que tu as hérité ça d'un grand-père Kohen. C'est un bien qui t'appartient, tu peux en tirer profit, tu peux le vendre à quelqu'un, à un Kohen pour qu'il le mange, tu n'as pas le droit de le manger, mais tu peux le vendre à quelqu'un, à un Kohen pour qu'il le mange, tu peux en tirer de l'argent, ça t'appartient. Ça s'appelle. C'est une possession parfaite, et tu peux donc t'acquitter de la mise à malgré tout, a priori, on ne veut pas que tu t'en acquittes, pour la simple raison que
En général, le loulav, il est mouillé, puisqu'on le trempe dans de l'eau pour ne pas qu'il se sèche. Et lorsque tu vas le reprendre, donc le loulav mouillé, tu vas le coller avec le etrog. Le etrog, maintenant, il va être apte à véhiculer l'impureté. Un fruit qui a été cueilli, qui n'a jamais été mouillé, ne véhicule pas encore d'impureté. Jusqu'à ce que tu vas le tremper pour la première fois, tu vas l'amincer, tu vas. Même de la pluie qui va tomber tout seul aussi, si ça te convient. Le fait qu'il est devenu mouillé, ça veut dire qu'il va devenir maintenant apte à être, à recevoir, à véhiculer l'impureté. Or, si c'est une trauma, on ne veut pas que tu le mettes dans cette situation, de peur que, maintenant, tu vas le rendre impur. Donc, a priori, je ne veux pas que tu prennes un étrog de trauma, de peur que tu vas le rendre impur. A posteriori, tu l'as pris, tu t'as quitté, donc tu ne l'as pas impurifié avant, parce que si tu l'as impurifié avant, on retombe au cas précédent, le trauma te met. Ensuite, shel dmaï. Le dmaï, c'est un... On va expliquer. Il y a Tevel et Dmaï. Lorsqu'on a une récolte, on a l'obligation de prélever tous les prélèvements pour le Kohen, pour le Lévi. Pour le moment, la récolte, elle est Tevel. Une fois qu'on a prélevé, c'est devenu, maintenant, ça a été prélevé, il n'y a pas de problème. Quand on achète une tvoa, n'importe quel fruit, en fait, qu'on achèterait dans un Maharetz, on ne sait pas ce qu'il prélève ou pas, ou est-ce qu'il prélève bien ou est-ce qu'il ne prélève pas. Là, on est tombé dans le problème de Dmaï. C'est une situation où Dmaï, ça veut dire damaï, on va savoir ce que c'est. C'est une situation où Khamim a instauré que tu ne pourras pas manger en état, il faudra nécessairement les prélever. Du coup, c'est quelque chose qui t'interdit à la consommation pour le moment. Sauf que, donc, d'où la raison pourquoi Bachamay vont te dire poslim. Shel Dmaï, Bachamay poslim. Un fruit qui est de Dmaï que tu ne sais pas est-ce que le Maharetz l'a prélevé ou il ne l'a pas prélevé, toi tu ne l'as pas reprélevé auparavant, avant l'entrée de la fête, eh bien tu ne pourras pas. Tu pourras pas donc l'utiliser parce qu'il est. Tu n'as pas le droit d'en tirer profit. D'accord? Tu ne peux pas le manger en l'état. Tant que tu ne le prélèves pas, tu peux. Ça, c'est Shel Dmaï. Donc Bachamay, il rend il invalide. Par contre, au Bet Hillel, Marchirin. Bet Hillel tolère malgré tout de l'utiliser. Pourquoi? Il y a une halakha assez originale dans le Dmaï, c'est que puisque c'est qu'une obligation des Rabbanan de prélever les Trumot Masrot, Rahamim ont les Khatrila instauré que dans certaines situations, on a le droit de manger du Dmaï. En l'occurrence, un pauvre. Machelin et Anim Dmaï, les pauvres ont le droit de manger du Dmaï. C'est une machloket Bet Shammai et Bet Hillel dans Masechet Dmaï. Bet Hillel qui pense que tu as le droit à posteriori de donner à manger à un pauvre du Dmaï, donc il considère que le fruit qui est Dmaï, il n'est pas franchement interdit d'en tirer profit en état, parce qu'il y a des gens qui peuvent en tirer profit, de ce fait tu peux t'en acquitter. Et Bet Shammai qui pense que tu ne peux pas donner à manger le Dmaï, même à un pauvre, alors il va te dire ici, ben, tu ne peux pas t'acquitter avec cette mise, avec ce étrog. Dernier cas de figure, c'est le Shel Maaser Sheni Birushalayim Loitol Vim Natal Kasher. Le Maaser Sheni, c'est délicat. Une fois qu'on a une récolte, on doit prélever un 1/50 pour le Kohen, c'est la Trouma. 1/10 pour le Lévi. Ensuite, dans ce qui nous reste, il faut prélever une deuxième fois, un deuxième dixième, qui va s'appeler Maaser Sheni. Le Maaser Sheni, sa destination, c'est de le prendre, de l'amener à Yerushalayim et de le consommer à Yerushalayim. Là, tu as pris ton étrog de Maaser Sheni. Donc pour le moment, tant que tu es chez toi à la maison, tu n'as pas le droit de le consommer, tu n'as pas le droit de l'utiliser en tant que étrog. Si tu vas à Yerushalayim, quand tu arrives à Yerushalayim, c'est une petite marloquette, mais on tient pour l'alcha que Maaser Sheni Mamon Ediotmu, ça s'appelle que c'est ton bien, ça t'appartient, donc tu as le droit, en théorie, de l'utiliser en tant que. Tu as le droit de l'utiliser pour faire ta mise à du lulav, puisque ça t'appartient, c'est une possession parfaite, ça t'appartient à toi. D'accord? Quand tu arrives à Yerushalayim. Le seul problème qu'on a, c'est de nouveau le même problème qu'on avait dans notre Oma, que tu vas le coller avec ton lulav qui est mouillé. Il va devenir mouillé, il va peut-être véhiculer une impureté, on ne veut pas que tu rendes pur de nouveau le Maaser Sheni. C'est pour ça qu'a priori, tu ne l'utiliseras pas. A posteriori, si tu l'as déjà utilisé, ben, tu t'as quitté ta mitzvah. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.